La crise sécuritaire a un effet dévastateur sur les aires protégées de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc fort de ce constat que les acteurs engagés dans la gestion de ces aires protégées se sont réunis les 30 et 31 mai dernier à Ouagadougou lors de la première réunion de coordination régionale des professionnels des aires protégées pour discuter sur les alternatives et stratégies à promouvoir pour une continuation des actions de conservation dans un contexte de crise sécuritaire. Durant 2 jours, les professionnels et praticiens de la gestion des aires protégées en Afrique de l'Ouest seront invités à discuter, échanger froidement sur la question de la crise sécuritaire, les répercussions qu'on a sur la gestion quotidienne de nos espaces de conservation. Est-ce que malgré cette nouvelle donne, nous arrivons à dérouler convenablement nos activités? Comment ça nous impacte? Et si les impacts sont négatifs, comment nous nous adaptons? C'est là que les acteurs sont attendus à formuler des recommandations qui vont être réalistes, raisonnables et que nous allons proposer aux décideurs. Parce que les aires protégées, nos aires de conservation, leur rôle ce n'est pas de constituer des zones de refuge pour les hommes armés. Comment nous amenons ces aires protégées à constituer des leviers pour des économies vertes de notre région? Voilà ce à quoi les experts vont s'essayer pendant ces 2 jours d'atelier. Cette réunion se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme indicatif régional PIR de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest 2014-2020, adopté en concertation avec la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDEAO et l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, le programme d'appui à la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles, à la gouvernance environnementale et au changement climatique en Afrique de l'Ouest PAPBIO. Les recommandations seront portées à l'attention des ministres en charge de ce secteur en Afrique de l'Ouest. En fait, au-delà de l'intitulé de la thématique de l'atelier, vous voyez, que c'est mis dans un contexte d'insécurité. Puisqu'il se trouve que, bien, on a mis en place le réseau, mais la première réunion a été consacrée aux défis dans le cadre d'une crise sécuritaire pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup de nos aires protégées qui sont confrontées à des problèmes d'insécurité liés à la situation d'insécurité qu'on connaît au niveau de la région. Et du coup, ça plombe une bonne partie de nos activités. Et pour illustrer cela, si vous prenez le cas du complexe WAP, donc composé de WB régional Arli et Penjari, du côté Burkina, pour les aires protégées d'Arli et WB du Burkina, pratiquement les activités ont cessé. Puisque la situation d'insécurité est telle que les agents étaient obligés de déserter, sinon ils allaient être tués par les djihadistes, pour ne pas dire les terroristes de manière générale. Donc le défi sécuritaire, il est là, il plombe nos activités. Donc nous avons, au cours de cet atelier, réfléchi pour voir quelles sont les solutions à apporter de manière urgente face à cette situation. Vous avez d'autres cas où le problème n'est pas si prégnant que cela parce qu'il y a une anticipation qui a été faite pour contenir le phénomène. C'est au cours de tous ces échanges qu'on a essayé de faire des recommandations dans ce sens et qui vont être portées à la connaissance des ministres qui vont se réunir au mois de juin à Dakar pour voir ensemble quelle est la décision politique et les orientations à prendre dans ce sens. La nouvelle programmation de l'Union européenne pour la période 2021-2027 intègre à nouveau des soutiens conséquents à la gestion durable de la biodiversité. Cette réflexion vient donc à point nommé. La diversité des modalités de gestion des aires protégées de ce complexe offre une diversité de situations sécuritaires. Pour rappel, les parcs de la Penjari et du W au Bénin sont en délégation de gestion à un opérateur privé avec une forte participation des forces armées béninoises. Le W au Niger est en voie de délégation de gestion avec une implication significative et continue de l'armée nigérienne. Les parcs d'Arli et du W au Burkina Faso sont en gestion par des structures dédiées de l'État avec des implications plus ponctuelles, plus limitées de l'armée nationale.
La partie burkinabé du WAP est en insécurité grave et les parcs d'Arly et du W, de même que les zones de chasse périphériques, sont aux mains de groupes armés et globalement hors de contrôle. Les événements récents montrent que l'insécurité se propage progressivement dans les autres parties du complexe WAP, remettant en question la cohérence de l'ensemble régional. Effectivement, les attaques des groupes armés risquent d'aggraver les causes actuelles de la perte de la diversité faunique, que sont la discontinuité des interventions, l'insuffisance des capacités techniques et opérationnelles des acteurs de la conservation et la faible gouvernance des ressources naturelles. Il faut donc cependant innover et apprendre les meilleures pratiques pour une gestion durable des réseaux fauniques. Il faut dire qu'actuellement, la situation sécuritaire dans les aires protégées est assez difficile parce que plusieurs de ces espaces sont en tout cas sous l'occupation de groupes armés où certains sont des zones de refuge donc pour des hommes armés non identifiés. Et par conséquent, c'est des zones dans lesquelles il faut qu'un regard particulier soit fait. Et il est également attendu la proposition d'action, d'activité pour pouvoir gérer au mieux les aires protégées. Les aires protégées d'Afrique de l'Ouest jouent un rôle essentiel en matière de conservation de la biodiversité et contribuent énormément sur le plan socio-économique comme moteur de croissance verte. Que la majeure partie de nos aires protégées vivent avec des populations qui sont tributaires de nos ressources naturelles. À cela, la capacité de résilience de ces populations ne cesse de diminuer face à des événements qui sont indépendants par moment de notre volonté. On peut citer aujourd'hui les changements climatiques, ce qui est extrêmement important, mais aussi les conflits qui, des fois, nos aires protégées constituent le réservoir d'abri pour ces populations. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, face à ces changements-là, qu'allons-nous faire? Chacun de nous, aujourd'hui, a en son sein des expériences fort intéressantes qui, malheureusement, faute de mutualisation, posent énormément de problèmes dans leur application au niveau régional. Et c'est pourquoi, quand l'UCN a anticipé ce dispositif régional, c'est extrêmement important pour nous de saluer leur clairvoyance. Parce que ça va nous permettre aujourd'hui la mutualisation de nos efforts, la mutualisation de nos expériences, mais aussi nous permettre d'agir ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la conservation ne peut pas aller avec juste en singleton. Il faut agir ensemble pour pouvoir mieux réussir aujourd'hui la conservation. En rappel, la composante 2 du PAP Bio, intitulée « Gouvernance régionale et sécurité », est mise en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature à travers son programme régional pour l'Afrique centrale et occidentale, UICN-PACO. Elle vise à insuffler d'une dynamique régionale pour la gestion efficace des aires protégées et des risques climatiques. Une thématique qui va réunir à nouveau les ministres en charge de l'environnement prévue par l'UEMOA le 17 juin 2022 à Dakar, au Sénégal.